أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد الشيء الفرج au nom d'Allah le clément le miséricordieux عليكم السلام ورحمة الله paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi vient la salutation de paix et de miséricorde, qui assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, notre sujet du jour se portera sur la théologie. La théologie également, comme vous le savez, c'est une science qui est relative à Dieu. Théologie. Logie, c'est science. Théo, qui est en fait Dieu. Donc, théologie, une science relative, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans la théologie, qu'est-ce qu'on traite? On traite d'abord l'existence de Dieu. Mettre d'abord en évidence que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Puis, on mettra en évidence, n'est-ce pas, ses attributs. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons commencer par, d'abord, mettre en évidence ou parler de l'existence de Dieu. Parlant de l'existence de Dieu, nous avons deux aspects importants sur lequel il faut aborder. D'abord, est-ce que réellement Dieu a besoin d'arguments? Est-ce que nous avons besoin forcément d'arguments pour mettre en évidence l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Alors, si nous avons besoin, est-ce que c'est nécessaire? Parce que souvent on a besoin, mais ce n'est pas nécessaire. On pourrait, n'est-ce pas, s'en parler. Les besoins ne sont pas trop difficiles. Les besoins ne sont pas les mêmes choses. Souvent, on a besoin des choses qui ne sont pas nécessaires. Souvent, on a besoin des choses qui sont forcément nécessaires. Alors, est-ce que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, supposé que nous avons besoin, est-ce que c'est nécessaire ou pas? D'abord, nous allons dire que nous avons besoin des arguments de l'existence de Dieu, mais ce n'est pas une nécessité. Souvent, quand on parle de besoin, d'autres diront que besoin voudrait dire nécessité. Par contre, ce n'est pas forcément ça. Pourquoi? Parce que la nécessité, c'est quoi? C'est quelque chose que forcément, il faudrait que cela existe. Forcément. Par contre, le simple besoin, c'est quoi? Mais si soit tu peux en avoir ou sans, tu peux ne pas en avoir, mais cela ne pourrait changer ou bien cela ne pourrait pas comment, nuire quelque chose. Si tu as ça, c'est un plus. Mais si tu n'en es pas, tu n'as pas de problème. Alors que la nécessité, ça devrait, n'est-ce pas, exister. Pourquoi je dis cela? Parce que les savants, parlant de la théologie, ou la, n'est-ce pas, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous disent que nous n'avons pas besoin, d'arguments, au sens, n'est-ce pas, de la nécessité, mais en termes de complémentarité, pourquoi? Parce que souvent l'être humain oublie, donc on a besoin de l'éveiller, éveiller sa conscience. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a en lui, dont il a oublié, donc il faut le réveiller. Par contre, de l'autre côté, quand on parle de nécessité, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas émis d'arguments, celui-ci en aucun cas ne peut pas comprendre. Par contre, ceux-ci disent non, l'être humain dans son fort intérieur, il a cette croyance-là. Mais ce n'est pas développé en lui. Donc, comme ce n'est pas développé, il a besoin des personnes qui vont mettre, n'est-ce pas, des arguments, émettre des arguments pour l'éveiller, pour éveiller, n'est-ce pas, sa conscience. Vous voyez. Donc, première philosophie, comme les savants le disent, c'est le fait de connaître, n'est-ce pas, sa propre personne. Comme on le dit, man arafa nafsahu faqad arafa rabba. C'est lui qui connaît sa propre personne, connaîtra, n'est-ce pas, son Dieu. Et le fait de se connaître soi-même, savoir pourquoi tu es là et où tu iras. Inna lillah, inna ilayhi rajoun. C'est comme ça, souvent, d'autres interprètent ce verset.
Donc, l'être humain, en se connaissant lui-même, verra, n'est-ce pas, sa faiblesse, alors va croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la petite introduction. Quand bien même que nous n'avons pas nécessairement besoin des arguments, les savants ont émis d'arguments. Nous, à travers ces arguments, nous pouvons prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs arguments. Aujourd'hui, nous avons opté pour deux arguments. Premier argument, c'est l'argument, n'est-ce pas, des théologiens, qu'on appelle les mutakallimines. Et la deuxième, c'est en fait pour les philosophes. Les théologiens, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les théologiens, c'est ceux-là même qui ont le devoir ou bien la charge de défendre, n'est-ce pas, la religion. Parce que le théologien, c'est une personne qui a d'abord une foi à la religion. Comment est-ce que celui-ci a acquis cette foi? Le problème n'est pas à ce niveau. Mais ce qui est sûr est qu'actuellement, il a cette croyance. Maintenant, il veut défendre. Mais la logique voudrait quoi? Que d'abord, à travers, n'est-ce pas, la philosophie, il puisse accepter la foi et maintenant, à travers n'importe quelle voie, prouver aux autres ou bien défendre. Je ne sais pas si on se comprend. L'être humain, face à la religion, tu as deux volets ou deux niveaux en termes évolutifs. Premièrement, tu n'as pas de relation avec une de religion. Alors, tu veux acquérir la religion. Tu devrais l'acquérir avec quoi? La raison. Nous avons dit les usuluddin. On acquiert les usuluddin à travers quoi? La raison. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que je suis hors la religion. Maintenant, je veux embrasser une religion. Alors, quand tu veux embrasser une religion, tu ne peux pas te baser sur les textes de cette religion-là pour l'accepter. Donc, c'est hors la religion. Donc, par la raison. Maintenant, moi, avec la raison, j'ai accepté cette religion. Maintenant, quand j'ai accepté cette religion, il y a des personnes qui viendraient un jour débattre avec moi. Il y a des personnes qui viendront, faire... causerie, discussion avec moi concernant ma religion. D'aucuns vont me saboter en disant ta religion n'a pas de base, ta religion n'a pas telle ou telle chose, donc je devrais défendre. Alors, moi en défendant, quelle est ma position à ce moment? Je deviens un théologien. Théologien ici dans le sens que je fais des recherches sur ma religion pour pouvoir la défendre avec tous les moyens. Par contre, le philosophe, c'est celui-là même qui embrasse la religion de par sa raison et défend la religion de par sa raison sans pour autant se référer au texte de cette religion. Par contre, le théologien, lui, se réfère au Coran, il se réfère à la Sunna, il se réfère à la Bible pour défendre. Je ne sais pas si ça va. Alors, premier argument que les théologiens ont eu à émettre, cet argument, lorsque nous nous référons au Saint-Coran, nous allons voir ça est tout à fait évident. C'est d'abord l'argument de la discipline. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit, il dit de regarder le monde. Est-ce que vous verrez le désordre? Il dit de regarder, n'est-ce pas, le monde. Et lorsque vous regardez le monde, est-ce qu'il y a une certaine discipline? Est-ce qu'il y a une certaine désordre? Non. Deux, il dit lorsque, si jamais il y avait deux dieux, il aurait, comme on appelle, le désordre allait, n'est-ce pas, se manifester dans la vie. Parce que si nous avons deux dieux, le dieu dira que je voulais peut-être faire de telle personne un homme, l'autre dira non, je voulais faire de lui, n'est-ce pas, une femme. Je voulais faire de lui un riche, l'autre dirait je voulais faire de lui, alors il aura à avoir, n'est-ce pas, le désordre. Alors ceux-ci disent que pour mettre en évidence cela, il y a le document qui est là, ça a été traduit. J'ai traduit ça à partir d'un livre persan. D'abord, on dit l'argument de la discipline. Qu'est-ce que l'argument de la discipline veut mettre en évidence? Il dit que dans le monde de la nature, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la nature, il y a une discipline qui règne. Cette discipline pourrait être constatée de manière évidente par l'homme. Parce qu'une personne, quand tu viens, tu étudies, n'est-ce pas, la vie, tu étudies d'abord ta propre personne. Pourquoi aller? Parce que quand on parle de la nature c'est toute chose hors Dieu qui est la nature. Toute chose vivante hors Allah subhanahu wa ta'ala, hors Dieu, qu'on appelle, n'est-ce pas, la nature. Donc l'être humain également fait partie,
C'est une identité parmi, n'est-ce pas, cette nature-là. Alors, lorsque tu regardes ta propre personne, tu vas constater une certaine discipline. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit la raison de manière claire, jusqu'il est impossible que ce tordre, cette discipline et harmonie puissent exister sans une cause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'effet sans cause. Donc, d'abord, il y a la discipline qui est là. Alors, lorsqu'il y a une discipline, c'est que nous avons force. Donc, la discipline devient un effet. Alors, tout effet a besoin d'une cause. Donc, dans la raison de manière claire, jusqu'il est impossible que ce tordre, cette discipline et l'harmonie puissent exister sans une cause. Un créateur puissant, car la discipline implique un acteur, une cause puissante, consciente et savante. Alors, l'existence de l'univers nécessite une cause. Vous voyez. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir d'ordre sans celui qui l'a ordonné. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quand tu dessines ou bien quand tu fabriques, que ce soit un portable, un appareil, quand une personne regarde, sûrement, il se dit non, celui-ci, l'appareil n'a pas été créé de par elle-même. Alors, comment se fait-il que l'être humain ou bien cet univers puisse être créé sans pour autant qu'il y ait un créateur? De le Saint-Coran met en évidence, il dit, regardez la vie, vous verrez, n'est-ce pas, certains genres d'ordre. Alors, cet ordre qui existe met en évidence qu'il y a celui-là même qui l'a ordonné. Voilà, en fait, comment les savants théologiens ont abordé la question de l'argument de la discipline. Autre argument qui est celle des philosophes. L'argument des philosophes, c'est ainsi, écoutez, et après nous allons lire le contenu. L'argument, c'est quoi? Ils se disent que lorsque nous regardons le monde, nous allons constater, d'abord à partir, n'est-ce pas, du monde, nous allons constater deux choses. Des êtres contingents et des êtres nécessaires. Des êtres contingents. Un être contingent, c'est quoi? C'est un être qui a besoin. C'est un être qui a besoin. Un être nécessaire, c'est quoi? C'est un être qui n'a pas besoin. D'abord, en termes de compréhension, nous avons ces deux. Est-ce qu'il y a un troisième? On ne peut pas dire un troisième qui n'a pas besoin. Et comment on appelle là? Qui est ni contingente ni nécessaire. On ne peut pas avoir. Ni contingente ni nécessaire, c'est le néant. Un être, quand tu vois, soit elle a besoin, ou bien elle n'a pas besoin. Mais voir un être vous dire que non, elle n'a pas, elle a besoin, puis elle n'a pas besoin en même temps, c'est pas possible. À moins que tu ne mets pas de la relativité. Un être d'un côté, elle a besoin, de l'autre côté, elle n'a pas besoin. Mais ici, on parle de sa nature même. Parce que quand tu dis de l'autre côté, elle a besoin, de l'autre côté, elle n'a pas besoin, nous, on parle de la nature de cet être-là. Sa nature même a besoin. Parce que pour pouvoir exister, elle a besoin de nous. Donc, on ne peut pas dire de tel côté, tu as besoin, de l'autre côté, tu n'as pas besoin. C'est comme quand on regarde l'être humain en termes d'exemple, on constate des personnes qui, d'un côté, elles sont pauvres, elles n'ont pas d'argent, mais de l'autre côté, elles sont nantis, elles sont scientifiques. Mais tu peux voir quelqu'un qui a la science, mais qui n'a pas d'argent. Donc, on dit de l'autre côté, elle a besoin, de l'autre côté, elle n'a pas besoin. Nous, notre argument n'est pas sur ce côté. C'est sur la nature de l'être même. Est-ce qu'elle a besoin pour exister ou bien elle n'a pas besoin? La base même de l'existence. Donc, deux éléments. Premier être, un être qui a besoin et un autre être qui n'a pas besoin, qui est nécessaire. Deuxième, tout être contingent a nécessairement besoin d'un nécessaire. Un être, quand tel est contingente, c'est-à-dire elle a besoin, c'est-à-dire elle a besoin. Donc, sûrement, elle n'a pas besoin d'un autre être besoinier comme elle. Elle a toujours besoin d'un autre être nécessaire qui n'a pas besoin. Ça va? Troisième, on dit le cercle vicieux est rationnellement impossible. Cercle vicieux, c'est quoi? C'est le fait de dire que X a besoin de Y, Y a besoin de X. X a besoin de Y, Y a besoin d'X. C'est pas possible. C'est-à-dire, on dit que X n'a pas. X est contingente. Donc, elle a besoin pour pouvoir exister. Donc, qui l'a octroyé, c'est Y. Y également est contingente. Qui l'a donné, c'est X. Vous voyez? Donc, c'est un cercle vicieux. Cela aussi n'est pas possible. Ou bien, nous disons,
la suite, n'est-ce pas, de cause et effet à l'infini. C'est-à-dire X a besoin de Y, Y a besoin de Z, Z a besoin de comment on appelle là, de E, E a besoin de comment on appelle B, B a besoin de I, I a besoin jusqu'à à l'infini. C'est pas possible. La raison voudrait qu'il faudrait qu'on atteigne à un être qui n'a pas besoin, c'est lui qui va octroyer. L'exemple, c'est quoi? C'est comme si, moi, je disais tout de suite, prends ce document, donne ça à X pour que celui-ci puisse signer. X dit non. Si Y signe, moi, je signe. Y dit non. Si Z signe, je signe. Est-ce que le papier serait signé? Non. Donc, on devrait atteindre un niveau où X ou bien Y dira que, bon, moi, je signe. Si lui dit qu'il n'y a pas de problème de signer, là, c'est à ce moment que cette page serait signée. Sinon, X dit non, donne à Y. Y dit non, non. En fin de compte, on se laisse, n'est-ce pas, on se donne la balle. Une suite de cause et effet à l'infini, cela n'est pas aussi acceptable. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si réellement nous avons deux êtres nécessaires, contingentes, et les contingentes ont toujours besoin des êtres nécessaires. Et le cercle vicieux n'est pas normal pour dire que X, contingente a besoin d'une autre contingente. L'autre contingente a besoin du premier. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Si c'est une suite de suite de cause et effet à l'infini également, n'est pas possible. Cela voudrait dire quoi? Que toutes les êtres contingentes, pour qu'elles puissent exister, elles ont besoin d'un être qui n'a pas besoin pour pouvoir leur donner. N'est-ce pas? Alors, lorsque nous regardons ce monde, nous allons trouver que nous avons tous besoin. Alors, si nous avons tous besoin au même point d'égalité, alors pour pouvoir avoir, forcément, il faudrait qu'il y ait un être nécessaire pour pouvoir nous octroyer. Alors, on pose la question de savoir, cet être nécessaire, où est-ce que celle-ci a eu l'existence? Nous disons que cela n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est l'existence et son essence. Dieu est celui qui est. Hein? C'est une parole qui a un grand sens. Dieu est celui qui est. C'est-à-dire que c'est l'existence qui est sa propre personne. On ne dirait pas comment est-ce que tu as eu l'existence. Vous voyez? Par contre, nous autres, comme l'existence n'est pas notre essence, n'est pas notre nature, nous avons besoin. Besoin de qui? De celui qui va nous pourvoir. Alors le pourvoyeur là, on ne peut pas dire comment est-ce qu'il a eu, parce que c'est sa nature même qui est la pourvoyance. Quelque chose, lorsque sa nature est la miséricorde, on ne dirait pas où est-ce que tu as eu la miséricorde. Tu pourrais demander pourquoi est-ce que tu as donné la miséricorde à un tel. Mais où est-ce que tu as eu la miséricorde? On ne peut pas dire à la miséricorde, où est-ce que tu as eu la miséricorde? Parce que sans la miséricorde, elle n'est pas miséricordieuse. Parce qu'on ne peut pas dire au sel ou bien au sucre, pourquoi tu es doux, le sucre. C'est sa nature. Vous voyez? Donc des choses, lorsqu'il est nature, on ne peut pas demander comment est-ce que tu as eu ta nature. Parce que c'est sa nature même qui est ainsi. Donc Dieu, on ne peut pas poser la question de savoir, Dieu, comment est-ce que tu as été Dieu? C'est sa nature. Ou bien l'être, ou bien l'existence, comment est-ce que tu as été existence? L'existence, c'est sa nature. Oui, seulement Dieu n'a pas de défaut. Ça, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si c'est l'exemple qui pose problème, mais c'est la compréhension. L'exemple, mais la compréhension. Ah. En fait, la compréhension, c'est que quelque chose, lorsque ça, on ne peut pas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que ta nature est ainsi. Parce qu'on ne peut pas poser la question à l'être humain de savoir pourquoi tu es un être humain. Parce que le fait d'être un être humain, c'est sa nature. Donc, on ne peut pas me dire comment est-ce que tu as eu ta nature. Toi, tu voudrais que je sois de quelle nature? Tu as vu? Maintenant, la question que nous pouvons poser, c'est de poser la question que c'est à Dieu. Pourquoi est-ce que tu as fait d'un tel un homme? Voilà, ça c'est autre chose. Pourquoi tu l'as donné cette nature? Mais on ne peut pas demander à la nature elle-même pourquoi c'était de cette nature. Donc Dieu, il est celui qui est. C'est sa nature même qui est l'existence. Alors on ne peut pas poser la question de savoir, Dieu, où est-ce que tu as eu l'existence? Par contre, nous, oui, on peut nous poser la question parce que notre personne n'est pas notre existence. Donc nous avons besoin de l'existence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cette traduction. On dit l'argument de la contingente.
de la contingence et de la nécessité. Il dit cet argument nécessite quatre préliminaires suivantes. L'existence dans ce monde pourrait être divisée en deux parties, l'être contingente et l'être nécessaire. Tout être est premier, tout être contingent a nécessairement besoin d'un nécessaire. Parce que quand tu n'en es pas, tu as toujours besoin d'un autre. Mais tu n'as pas besoin de celui-là aussi qui a besoin. Tu devrais être besoinné d'une personne qui a. Parce que celui qui n'en est pas ne peut pas pourvoir. Pour pouvoir pourvoir, il faut avoir. En arabe, on dit « faqir le shay la yuti ». Celui qui n'en est pas ne peut pas pourvoir. Donc, pour pouvoir donner, il faut être possesseur. Quand tu ne possèdes pas, tu ne peux pas donner. Par contre, nous trouvons qu'il y a deux êtres. L'autre est contingent, le second est contingent. Alors, vous ne pouvez pas pourvoir les uns les autres. Donc, vous avez forcément besoin de celui qui a nécessairement. Le cercle vicieux est rationnellement impossible. Je crois que le cercle vicieux, c'est compris, non? Le cercle vicieux. Enchaînement des effets et des causes à l'infini est impossible. Du cause à effet. Qui t'a créé? C'est mon papa. Qui a créé mon papa? C'est son papa. Qui a créé son papa? C'est son papa. Qui a créé son papa? C'est son papa. Donc, c'est une suite. Il faudrait que nous puissions atteindre qui? Adam alayhi salam qui dirait que moi je n'ai pas de père. J'ai été créé sans père. Parce que lorsqu'on dit que non, pour que l'être humain puisse exister, on a toujours besoin d'un père. Donc, c'est une suite de cause et effet. L'enfant est l'effet. Le père est, comment on appelle, la cause. Le grand-père est la cause de celui-ci. Jusqu'à, il faudrait que nous puissions atteindre un être qui, quand bien même il y a la contingente, un être qui n'a pas besoin d'un père pour exister. Celui-ci a vécu sans un père. Vous voyez? Pour ne pas qu'une personne dise, on sait que aussi, Dieu aussi a besoin d'un être pour le mettre au monde. Non, ce n'est pas cela. C'est son existence même qui est son essence. Donc, Adam alayhi salam n'a pas besoin d'un père. Parce que si Adam avait besoin d'un père pour exister, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que ce père également aussi devrait avoir un père. C'est lui-ci aussi un père jusqu'à à l'infini. Enchaînement des effets et causes à l'infini est impossible. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des êtres contingents dans ce monde. L'existence des êtres contingents dans ce monde, il n'y a même pas de doute. Parce que nous avons tous besoin, n'est-ce pas? Et les signes prouvant leur contingence est que nous observons de manière claire et évidente que des êtres tantôt se manifestent et tantôt disparaissent. Le changement que nous trouvons, n'est-ce pas, dans ce bas monde. D'autres meurent, d'autres viennent. Donc ça veut dire quoi? Il y a toujours un changement. Donc ça veut dire qu'on a besoin. Tu as besoin d'exister, tantôt tu vas, l'autre meurt, l'autre vient, tantôt on est malade, on est bien portant. Donc vous voyez, donc ça veut dire qu'on a toujours besoin, c'est-à-dire l'être de l'être humain, même son essence même, est besoinneux. Ça va? Il se présente quatre hypothèses relatives à l'existence de ceci. Soit qu'on dise qu'elles n'ont pas de cause. Est-ce que cela est acceptable? Nous voyons des êtres contingentes, qui ont besoin. Et nous disons, elles vont exister, mais elles n'ont pas de cause. Cela n'est pas acceptable. Pourquoi? Cette hypothèse est réfutable par le premier préliminaire. Oui, mais c'est le second préliminaire qui dit tout être contingent a nécessairement besoin d'un nécessaire. Je crois qu'au lieu de par le premier, je crois que c'est le deuxième. Le deuxième préliminaire. Le deuxième préliminaire dit quoi? Tout être contingent a nécessairement besoin d'un nécessaire. Alors, nous constatons dans ce bas monde que nous avons les êtres contingents qui ont besoin. Alors, la première hypothèse dit quoi? Qu'elle n'a pas besoin d'une cause, alors qu'elle est contingente. Donc, ça ne concorde pas. Ça va? Les uns sont les causes des autres. Cela aussi n'est pas possible. Parce que, on parle, c'est une suite. C'est ce qu'on appelle la... C'est un fil indien. Alif est contingente, B est contingente, tous ceux-là sont contingentes. Donc on ne peut pas dire tel qu'on a cause d'un tel, parce que tous les deux au même point d'égalité, elles ont tous besoin. Quand tu n'en es pas, tu ne peux pas pourvoir. Les uns sont les causes pour les effets qu'ils précèdent. C'est-à-dire, moi, en tant que père, je suis la cause, n'est-ce pas, de mon fils. Le père, mon père est, n'est-ce pas, ma cause. Cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quel qu'en soit Alpha, nous avons tous besoin. Quatrième, en dehors des êtres contingents, il y a un être nécessaire qui est
lui la cause des causes du monde. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc c'est comme ça les philosophes ont essayé d'aborder la question. D'abord, on reconnaît qu'il y a une certaine existence qu'on appelle l'existence contingente, qui vit, n'est-ce pas, dans ce bas monde. Elles ont besoin. Leur cause, soit c'est, elles n'ont pas besoin de cause, ce n'est pas vrai, parce que être contingent voudrait dire que tu as besoin. C'est comme si on disait, tu as besoin, tu n'as pas besoin. Alors que cela ne... Soit nous disons, non, tous ces éléments, les causes, comment on appelle, ces existences contingentes, sont les causes des uns et des autres. Cela aussi n'a pas de sens. Parce que moi, je n'en ai pas. Comment je peux donner? Tu n'en es pas. Comment tu peux donner? Tu ne peux pas. Donc, alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme conclusion? Est que toutes les êtres contingentes, pour pouvoir exister, elles ont besoin d'un être nécessaire. L'être nécessaire, où est-ce qu'elle a eu son existence? Nous disons que cela n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que son être même qui est l'existence, sa nature est l'existence, il est celui qui est. Vous voyez? Donc voilà en fait la manière que les philosophes ont eu à prouver, n'est-ce pas, l'existence de Dieu. C'est-à-dire tu es face à quelqu'un qui ne croit même pas à une religion. Tu dis la Bible, et tu dis je ne crois pas à la Bible. Le Coran, le Torah, je ne crois pas. Alors tu crois en quoi? Elle dit je crois en la raison. Tu crois aux causes et effets? Il dit il n'y a pas de problème, je crois. Alors on dit, nous avons combien de sortes d'êtres? Il me dira deux. Un être qui a besoin, un être qui n'a pas besoin. Normalement, c'est logique. Nous avons deux choses. Besoigneux, celui qui n'a pas besoin. Donc on dit, c'est acceptable. Et la personne dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais maintenant, on pose la question de savoir, est-ce que les êtres contingents, pour pouvoir exister, ils ont besoin ou pas? Il dit, effectivement, ils ont besoin. Parce que contingent, vous allez dire que celui qui n'en est pas. Donc tu as forcément besoin. Est-ce qu'on dit que, mais, deux êtres contingents. Alif a besoin de Y. Y a besoin de Z. Z a besoin de temps. Cercle vicieux. On dit que cela n'a pas de sens. Moi, je suis le comment on appelle là. Donc, cercle vicieux, cela également n'est pas. L'enchaînement des causes et effets également n'est pas raisonnablement, n'est-ce pas, possible. Alors, nous avons forcément besoin d'un être nécessaire pour pouvoir pourvoir l'existence, n'est-ce pas, aux êtres contingentes. Donc voilà en fait ce que nous avions à dire concernant l'argument de la discipline qui est celui de, qui est celle de, comme on avait des théologiens, et l'argument de la contingente et de la nécessité qui est celle des, comment, des philosophes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.